Merci, merci. Morning, everyone. How are you? My name is Larry. Ah, c'est super. Please help me welcome Soren Toft, the CEO of MSC, on the stage de recevoir, as we begin this conversation. Soren, please. De MSC. We're just going to take one more second to get the table déplacer deux trois éléments comme ça nous aurons la possibilité d'avoir un échange sans que vous soyez distrait par toutes ces chaises. All right. Now that that's almost done. Okay. It is my Donc, pleasure je pense to qu'on introduce, est à terme. Second time, I believe, at Africa CEO Forum. Soren Toft, un plaisir CEO pour moi MSC. De présenter back pour la deuxième fois au CEO Forum. Soren Toft, bienvenue à Abidjan. Vous allez you bien à Abidjan, semble-t-il. Vous êtes le PDG de l'entreprise de transport la plus importante du monde entier. Je suis sûr que vous avez parlé de ces aspects de décarbonisation, émission zéro, mais j'y reviendrai récemment. J'étais dans un pays en conflit et le port fonctionnait au Soudan. Donc, je suis arrivé à 2-3 heures du matin, il y avait des grues qui travaillaient. Donc, est-ce que vous voulez nous en dire davantage sur vos opérations dans ce port, si elles ont été affectées? Oui, on peut en parler. Tout d'abord, c'est une tragédie, ce qui s'y produit, c'est la première chose à relever. Nous, on pense aux personnes et à toutes ces entités qui s'y trouvent. Donc, jusqu'à présent, nous sommes ravis de voir qu'elles ne sont pas affectées, mais c'est vraiment une tragédie. Au port du Soudan, il y a des délais incroyables. Il y en avait déjà par le passé, mais ça s'accentue. Donc, c'est une problématique. Et ces délais, c'est multiplié par 2, fois 3, fois 4. Je ne pourrais pas vous dire de mémoire, mais je vous dirai simplement 3-4 semaines de délai d'attente. Donc c'est important. La grande question pour beaucoup de personnes ici, c'est que vous avez acquis Bolloré Logistique Afrique, donc c'est un gros accord de plus de 6 milliards de dollars et vous avez rebrandé cela en Africa Global Logistics. Donc, quelle est la vision pour votre organisation et comment est-ce que cela s'imbrique à votre influence de MSC? Donc, nous sommes fiers d'appeler plus de 21 000 personnes AGL comme étant nos collègues. Donc, MSC a vu l'Afrique comme étant très importante à l'échelle du globe. Et avec l'acquisition d'AGL, nous avons renforcé de façon importante cette vision. Il y avait déjà des liens étroits entre ces deux entreprises. Nous avons l'engagement plein de AGL pour continuer à développer leur empreinte. Et avec MSC en tant que propriétaire, bien entendu, nous pouvons également accroître l'engagement d'investissement en Afrique, que ce soit au niveau terrestre, au niveau des ports et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vraiment la raison d'être de cette acquisition. Nous croyons en l'Afrique. Nous croyons également en l'industrialisation de l'Afrique prochaine. Donc, pour nous, il s'agissait d'une étape très importante. Donc, AGL continuera à opérer en tant qu'acteur indépendant. Ils desservent le marché tout entier. Ils desservent toutes les lignes de transport dans bien des cas. Donc, il est important qu'ils maintiennent cette intégrité, ce soutien pour demeurer un acteur à valeur ajoutée. Bien entendu, avec le soutien de MSC, ces engagements peuvent être renforcés à l'avenir. Oui, c'est la question que je voulais poser. Pourquoi est-ce que vous avez décidé que ça demeure une entité indépendante, vu que vous avez déjà des opérations de transport et logistique avec Metlog? Oui, tout d'abord, ce n'est pas toujours que 1 plus 1 soit égal à 2.
Nous avions tout l'intérêt du monde de s'assurer de conserver autant que possible. Et d'un autre côté, AGL est une entité très douée et talentueuse en Afrique. Donc, pour nous, il était important de conserver leur indépendance, de conserver leur propre esprit d'entreprise afin de continuer à croître. Donc, c'était l'objectif principal pour nous. Bien entendu, il y a d'autres choses au niveau desquels AGL est un opérateur principal sur le marché. Donc, on les aide juste à être davantage efficients pour que les activités portuaires s'accélèrent, pas que pour MSC, mais pour le marché tout entier dans le cadre de l'industrialisation de l'Afrique. Donc, c'est véritablement la logique qui sous-tend cet effort. Donc, on cherche des synergies au niveau où on peut les trouver. Ce n'est pas illogique, mais il faut le faire en ayant l'esprit que AGL est sa propre entité. Donc, vos opérations à Pointe Noire au Congo étaient un moyen pour vous d'accéder au marché de l'Afrique centrale. Donc, quelle était la raison d'être de cela et quels sont les avantages de cela? Donc, à Pointe Noire, nous pouvons avoir davantage de projets. À Matadi, plusieurs projets d'entrepôt. Donc, c'est la preuve de l'engagement et de la croyance que nous avons dans le développement de l'Afrique. Bien entendu, en plus des concessions MSC, nous avons pris plusieurs des concessions de AGL, mais on voit davantage d'opportunités. C'est réellement ce que c'est. Nous n'avions pas une présence. Nous n'avions pas une forte présence par le passé, mais avec ces projet à Matadi, nous avons des agences sur le terrain où MSC n'était pas encore représenté. Donc, ça fait partie de notre croissance. Ça fait longtemps que j'aborde les questions de business en Afrique. Tout le monde dit que nous sommes engagés en Afrique. Tout le monde dit que nous sommes engagés en Afrique. Que ça signifie que vous êtes à Pointe Noire désormais. Mais quels sont les investissements supplémentaires et le focus supplémentaire que vous apportez à l'Afrique? D'abord, l'engagement à l'Afrique, ça veut dire que vous avez une vision long terme. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes engagé en Afrique si vous regardez le bénéfice net lors du prochain trimestre. Il faut véritablement être porté sur la longue durée. Ça, c'est ce qui s'impose de prime abord. Et bien entendu, il faut être engagé avec des fonds que vous êtes disposé à investir, rechercher des projets qui vont demeurer pendant 10, 15, 30, 40 ans. Donc, c'est véritablement la vision que nous avons pour l'Afrique. La croissance démographique, elle est indiscutable. L'Afrique, au cours des deux dernières décennies, a augmenté d'une taille de population équivalente à l'Union européenne de 2000 à 2020. Et on verra 1 milliard de personnes en plus dans quelques décennies. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités sur ce continent. Et nous devons nous assurer que ces opportunités viennent ici également, qu'il y ait des opportunités d'emploi pour l'ensemble des Africains, que les solutions aux problèmes de l'Afrique ne se trouvent pas à l'étranger, mais plutôt ici en Afrique. Donc, aussi au Forum, on parle beaucoup de la ZICAF. Juan Kelemene, qui est à la tête de ce projet, était à un panel hier. Ça fait partie intégrante de la manière dont nous allons retirer les obstacles à l'échange commercial au sein du continent et le transport que vous menez comme activité au cœur de cela. Cela dit, ça demeure inefficient. Les frontières ne fonctionnent pas, ça prend des jours pour passer d'un pays à l'autre. Il y a des délais au port, comme vous l'avez dit. Donc, dites-nous ce que vous pensez et comment vous pouvez accélérer ce processus. Il est justifié de dire que la ZLECAF n'a pas encore décollé. Et en tout cas, nous n'avons pas encore vu très grands avantages. Les dirigeants disent de belles choses, mais le travail tangible et concret n'a pas encore porté des fruits visibles. Pour nous, la solution, ce n'est pas forcément au niveau de ce qu'on dit, c'est au niveau de ce qu'on fait. Les investissements que nous faisons, les concessions que nous renouvelons, les projets que nous maintenons, l'expansion que nous soutenons, donc c'est l'engagement et la contribution que nous pouvons apporter.
Bien entendu, nous allons travailler avec la ZECAF, mais il faut que cela fonctionne. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et on va juste discuter pour discuter. Donc, peut-être que c'est une façon assez crue de le dire, mais je pense que pour MSC, notre contribution sera la contribution, l'investissement et la vision à long terme que nous avons pour ce continent. Donc, on va rebondir sur la conversation au cours du dernier panel par rapport à la décarbonisation des émissions zéro. Vous savez que le transport est un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, l'un des plus grands contributeurs au réchauffement climatique. Donc, comment est-ce que vous allez réduire vos émissions en utilisant peut-être du biocarburant? En tout cas, quelle est la grande vision? Quels sont les efforts qui sont réalisés pour atteindre cette décarbonisation? Oui, la décarbonisation, c'est une bataille que nous devons mener. Nous comprenons que beaucoup d'entre nous sont parents. Nous voulons être des entrepreneurs responsables. Donc, la décarbonisation fait partie de notre programme. Cela va sans dire. Il n'y a pas de solution magique, malheureusement. Aujourd'hui, vous pouvez facilement construire un bateau et avoir un moteur vert. Mais le problème, c'est la disponibilité des carburants. Dans toutes les lignes de transport, plus ou moins, investissent dans des bateaux à moteur vert. C'est des moteurs hybrides parce qu'on ne veut pas courir le risque d'aller dans une station d'alimentation et il n'y a pas de carburant. Donc, on le fait de façon hybride et chaque entreprise a sa vision. Nous avons différentes approches, mais ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que vu qu'il y a une rareté des biocarburants, nous allons avoir beaucoup d'approches hybrides. Vous aurez des bateaux qui vont utiliser du méthanol, du gaz naturel, en fonction de la disponibilité des carburants. À MSC, nous avons choisi la voie du gaz naturel. Nous savons que les énergies fossiles ne sont pas la solution, mais ça permet déjà de réduire de 20%. Et si on utilise le biométhane, en plus de cela, ça réduit même jusqu'à 40%. Ensuite, on va faire le méthanol et d'autres choses. Donc, c'est le vrai défi, c'est la disponibilité des carburants. Et ensuite, nous disons également que nous avons un manque de réglementation. Il n'y a pas de réglementation mondiale, de prix mondiaux du carbone. Il n'y a pas de vrai fonds de recherche et développement. Donc, toutes les entreprises essayent de devenir l'experte du prochain carburant, alors que c'est une erreur. Nous sommes une entreprise de logistique, de transport. Nous ne sommes pas des producteurs de carburant, mais nous sommes obligés de le faire pour devenir aussi des experts dans ce domaine. Vous avez annoncé un contrat avec Divi Shankar sur des solutions de biocarburant. Est-ce que ça fait partie de vos efforts? Oui, le biocarburant est disponible, mais pas en quantité qui permet une décarbonisation totale, mais on fournit cela à nos clients s'ils veulent transporter avec des énergies vertes. Mais il faut savoir que le biocarburant compétit avec d'autres secteurs. Si on veut le dire en ces termes, peut-être qu'il est erroné de choisir le biocarburant pour le transport parce que c'est mieux d'utiliser ça dans les avions. D'un point de vue climatique, ça a plus de sens, mais nous, on le fait pour répondre aux aspirations de nos clients. Récemment, en octobre, vous avez tweeté et vous avez prédit quelques événements. Je vais relire ça pour vous et vous pourrez vous défendre si vous maintenez votre position. Vous avez parlé des taux d'intérêt, des taux d'inflation et des prix de l'énergie qui augmentent. Donc, c'est toujours une réalité aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pensez que ce sera des difficultés du futur également? Pour une fois, on va dire que nos prédictions n'ont pas été si mauvaises que cela, mais en tout cas, on était dans une position où les choses ne pouvaient qu'empirer. Donc, bien entendu, depuis la mi-2022, nous avons vu les impacts de l'inflation, de l'augmentation des prix de l'énergie, des taux d'intérêt, et à un certain moment, lorsque nous sommes sortis de l'ère Covid en grippe, beaucoup de la consommation physique est allée dans les services. Donc, il était évident. Beaucoup de personnes dans cette salle ont certainement acheté une télé supplémentaire dont ils n'avaient pas besoin. Donc, en plus de beaucoup de consommation physique, nous nous sommes retrouvés face à beaucoup plus de
complexité. Donc, deux, trois trimestres plus tard, où la situation a été comme si on s'attend à ce qu'il y ait une petite amélioration dans les perspectives de croissance au cours de la prochaine moitié de l'année. Est-ce que ce sera une reprise totale comme avant la COVID? C'est pas sûr, mais en tout cas, il y aura des petites améliorations dans la deuxième moitié, surtout au niveau de la demande. Quand vous regardez le tableau de bord mondial, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à vos opérations mondiales? Je pense qu'au cours de la prochaine décennie, les deux prochaines décennies, il y aura quelques thèmes pour nous en tant qu'entreprise présente dans 155 pays. Tout d'abord, il y aura toujours un incendie quelque part, un incendie à éteindre, toujours un incendie que vous devez résoudre. La chose à laquelle nous devrons faire face dans les deux prochaines décennies, c'est la situation macroéconomique et la situation macro-politique que nous voyons. Nous avons des montées de protectionnisme, la situation mondiale, nous avons la guerre en Ukraine et comment cela affecte les autres parties du globe. Donc ce sera un thème récurrent, mais nous serons affectés. Donc s'il y a un conflit quelque part, il faudrait gérer cela. La deuxième chose dont nous avons parlé, c'est la décarbonisation, car la décarbonisation, ce n'est pas juste un bouton à appuyer, c'est 1, 2, 3, 4 décennies de changement. Par exemple, aujourd'hui, on a 700 navires. Si on doit les mettre à la casse et bâtir de nouveau, ça devient un problème. Et l'autre chose qu'on devra gérer et qu'on est en train de gérer déjà, c'est l'aspect numérisation. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, mais le basculement du travail manuel au travail numérique, ce sera des choses importantes à gérer pour une entreprise. J'ai une question de leadership à vous poser, mais je me demandais s'il y avait des questions de l'assistance que je pourrais prendre juste parce que je peux et que vous êtes dans cette salle, vous êtes venu écouter Soren Toft. Donc une fois, deux fois, des questions. Ok, cette opportunité est passée. Donc la question leadership que j'avais à vous poser, lorsque vous dirigez une opération aussi importante que la vôtre, 155 pays comme vous l'avez dit, avec des milliers d'employés, comment est-ce que vous gérez quand vous ne pouvez pas être partout à la fois et être efficient? La réponse, c'est que vous devez avoir des personnes loyales impliquées. Et c'est notre cas, parce qu'on ne peut pas être partout. Mais vous devez également accepter, et que ce soit dans le sport ou dans le business, que si vous voulez faire ce que je fais, ça prend du temps. Vous ne pouvez pas réussir cela en 40 heures par semaine. Donc on passe deux fois cette durée. Il faut comprendre dans les détails ce qui se passe. Il ne faut pas rester dans des bureaux éloignés. Donc, il faut non seulement prendre des décisions, mais en comprenant le problème dans sa profondeur. Donc, pour pouvoir prendre des décisions stratégiques, il faut connaître la situation et ne pas juste surfer sur les tendances. Donc, c'est ce que nous faisons. Mais en tout cas, comment gérer une entreprise de plus de 100 000 personnes si vous n'avez pas d'excellentes personnes? Mais est-ce que ça veut dire que vous savez ce qu'ils font dans les détails? Vous n'êtes pas juste la personne qui voit l'aperçu global, ou bien vous êtes dans les détails? Bon, il faut faire les deux. Il faut pouvoir naviguer rapidement d'un point de vue à l'autre pour comprendre ce que tout le monde fait dans les détails, c'est difficile. Mais en tout cas, j'ai passé 30 ans dans cette industrie, donc j'ai assez d'expérience. J'essaie de continuer à aller mettre ma main dans le cambouis au quotidien. Il faut comprendre dans les tréfonds ce qui se passe pour prendre des décisions efficaces. Donc j'aimerais terminer par le commencement avec vos opérations en Afrique, avec AGL en plus, ses collègues qui vous rejoignent sur
le champ de bataille. Donc, qu'est-ce que ça change par rapport au transport sur ce continent? Donc, avec Agiel qui a rejoint la famille, donc nous avons une grande force, une grande offre également à nos clients en Afrique, mais nous sommes loin d'avoir terminé. Nous n'avons pas acquis AGL pour les défendre, nous avons acquis AGL pour faire croître AGL, pour continuer de développer AGL. Et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Comme vous l'avez dit, nous n'avons pas que AGL, nous avons Medlog, MSC, nous avons TIL et un nombre d'autres choses que nous voudrions étendre à l'échelle du continent. Donc AGL est évidemment une pièce importante du puzzle. Et nous sommes ravis de les voir opérer de la manière dont ils le font, mais nous voulons collaborer avec nos autres partenaires pour avoir davantage de productivité, davantage d'impact pour nos clients. Donc la dernière chose qui nous reste à faire, c'est votre mot de fin pour les personnes dans cette salle. Vous connaissez le profil type des personnes qui assistent aussi au forum, des PDG, des membres du secteur public, des membres du secteur privé. Very succinct, or it went over their head. They did not understand a single thing. No, I don't think I have anything to add. En tout cas, je ne pense pas avoir quoi que ce soit de majeur à ajouter. Pour nous, l'Afrique est une partie importante de notre entreprise mondiale. C'est pas forcément l'endroit le plus facile où faire des affaires. Donc, il faut faire preuve de patience et il faut avoir une vision à long terme. Mais en tout cas, c'est très prometteur. Il y a beaucoup d'opportunités et il y a beaucoup d'excellentes personnes qui travaillent au quotidien pour nous. Donc, c'est ce que j'aime retenir. Et c'est la raison pour laquelle je passe une journée et demie ici pour rencontrer de belles personnes et nous assurer de pouvoir étendre nos opérations ici. Beaucoup de grandes personnes qui réalisent leurs objectifs en dépit des circonstances, des difficultés qui se surmontent et qui font ce qui doit être fait. Merci à vous. Que vous ayez passé du temps avec nous. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît.